un après-midi d'été, Madame X et Monsieur Y se rencontrèrent au 50 rue Pierre-Simon de la Place. Le coup de foudre fut immédiat. Madame X et Monsieur Y découvrirent qu'ils furent nés le même jour de la même année, le 23-03-1995. 50 jours après leur rencontre, ils emménagèrent au 50 rue des Passereaux. Madame X tint le poirier durant 50 secondes, pendant que Monsieur Y posa délicatement sa 50e carte. Ils regardèrent pour la 50e fois Boulevard du Crépuscule, sorti en 1950, et pour la première et dernière fois 50 nuances de gris. Après 50 échanges d'anthologie, Madame X perdit, Monsieur Y célébra. Mauvaise perdante, Madame X voulut prendre sa revanche au hockey pneumatique. Monsieur Y gagna. Pour leurs 50 ans collectifs, Madame X et Monsieur Y se mirent sur leurs 50. Mais le lendemain fut un jour de pluie. 50 mois après leur première rencontre, Madame X déménagea. Mais 50 minutes après leur séparation, Madame X et Monsieur Y ne purent s'empêcher de penser à l'autre. Pendant que Madame X enfuit à sa 50e rature, Monsieur Y fit les 50 pas. Pendant que Monsieur Y se rongea les ongles pour la 500e fois, Madame X enfuit à son 50e jour de yoga. Un après-midi d'été, dans la rue Pierre-Simon de la Place, Madame X et Monsieur Y se croisèrent à nouveau. Madame X contint sa respiration durant 50 secondes, pendant que Monsieur Y se gratta 50 fois la barbe. Le temps se figea, puis s'accéléra. Les souvenirs remontèrent au cœur de Madame X et Monsieur Y. Ils passèrent leurs 50 plus belles années de leur vie ensemble, avant d'être enterrés dans une tombe commune, la 50e du cimetière, demeurant éternellement aux 50 rue Bonnefoy.